Salut tout le monde, c'est Roselyne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous avais déjà tourné mes achats d'actions du 28 octobre. Ça, c'était la petite câline. Va, ma chérie. Voilà, assieds-toi là. Et donc, en fait, j'avais fait des achats à actions. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris ce DP et là. Et en fait, on n'avait pas encore ouvert. On les avait pas encore ouverts, on n'a pas encore regardé comment ils sont à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Si Kaline nous laisse de la place. Petite pupus, mets-toi là-bas. Donc, on va commencer tout de suite par le petit paresseux. Donc ça, c'était un petit diamond painting à 99 centimes, donc chez Action. Et a priori, ce seraient des diamants carrés, parce qu'on voit bien là sur l'image, on a les petits diamants carrés, on a des petits diamants carrés aussi sur le paresseux. Et même à l'arrière, en fait, on voit bien, est-ce que c'est ici, on voit bien des carrés. Donc, je suis en train de me poser la question si ce ne serait pas un DP en diamant carré. Alors, les grands DP, ils ne les ont pas encore fait en diamant carré, mais peut-être est-ce qu'ils commencent maintenant avec les petits? Alors, on va voir. Je vais ouvrir. Hop là, ouh là là. Pardon. Alors, on va voir ça tout de suite. Kaline, est-ce que tu peux te pousser, ma chérie? Alors, attendez, je vais juste enlever ma câline. Oui, ma fille. Hop là. Donc. Alors. Bon, bah, c'est pas la peine. Elle revient. Il est magnifique. Oh, ouais, il est joli comme tout. Il est mignon comme tout, le petit paresseux. Il est trop beau. Il est trop, trop, trop beau. En fait, c'est un DP partiel. En fait, on a tout le paresseux, donc qui a diamanté. On a également les feuilles. On a les feuilles, ouais, on a Kaline aussi devant l'écran. Chérinette, enlève-toi, bébé. Oh, punaise. Ça, c'est Kaline, elle s'est cassée la gueule, mais c'est pas grave. Donc, le ciel, par contre, n'est pas à diamanter. On a la branche là, avec les petites branches là non plus, qui ne sont pas à diamanter. Les yeux ne sont pas à diamanter et le museau. Mais tout le reste est à diamanter. Alors, on a un toolkit. Donc avec le stylet, la barquette et le pancol. Ça y est, elle revient. Ah oui, elle lâche pas l'affaire, ma câline. Viens bébé. Viens chérinette. Viens, mets-toi là. Voilà, super. Et donc, effectivement, oui, c'est des diamants carrés. On a effectivement des diamants carrés. Il n'y a aucun diamant spécial, mais c'est des diamants carrés. Non, mais Kaline. On va essayer de vous montrer les couleurs. Donc, on a du brun, du orange, du vert, un sort de beige, un brun, un autre, enfin ouais, un orange, orange beige comme ça, et encore un brun. Donc voilà, ah, ça c'est top. Et au final, il est quand même assez grand. Kaline, elle est couchée dessus. Il est quand même assez grand, cet épée, n'empêche. C'est un 18 par 23. C'est un 18 par 23. On va y arriver, peut-être. Donc c'est un 18 par 23. Et franchement, je le trouve super mignon. Il est vraiment trop mignon. Ah, je suis contente. Donc voilà, on va passer à la suite. Si Kaline nous laisse faire. Je vais ranger. Je vais ranger à chaque fois pour éviter qu'elle me casse tout. Hop, voilà. Et on va passer à cela là. Donc cela. Ils brillent dans la nuit en fait, donc ils sont comme ça, et quand il fait nuit,
on les voit en fait, et ça c'est génial, c'est fluorescent, je sais pas comment ils appellent ça, c'est vraiment trop bon, on voit bien derrière, voilà. Donc quand il y a de la lumière c'est comme ça, et dans la nuit ils sont comme ça. Donc ça c'est trop bien, et donc ça c'est un diamond painting 20 par 20, et donc ceux-là là, donc les trois là, ils étaient donc à 3,29 € chez Action. Donc on va ouvrir. Oh waouh, oh ouais, c'est carrément une toile. En fait, c'est carrément déjà un tableau. Oh, c'est génial. Il est trop beau. Oh, qu'est-ce qu'il est magnifique. C'est un attrape-rêve. Il est magnifique. Waouh, wow, j'aime trop. C'est trop beau. Et en fait, ils l'ont vraiment déjà fait comme une toile finie, en fait. Ça, c'est génial. C'est vraiment trop, trop, trop bien. Je sais pas si... Regardez comment c'est fait derrière. Ils ont déjà fait, en fait, un cadre. Oh, c'est cool. Donc là, il y a juste un clou à mettre, en fait. Et puis, on peut déjà l'accrocher. Même pas besoin d'acheter même pas besoin d'acheter de tableau, quoi, en fait, pour le mettre dedans. Donc là, on a une petite feuille de route avec tout le détail des diamants. Et donc, effectivement, on voit bien, là, ils ont mis le vert qui est brillant. Donc, c'est le phosphorescent. Donc, on a toujours à l'intérieur un toolkit. On a carrément un immense pain de colle. On a la barquette et on a le petit stylet. Et donc, il n'y a toujours pas de sachet à l'intérieur. Mais bon, ça fait le taf. C'est suffisant, quoi. De toute façon, franchement, quand on commence un DP, c'est largement suffisant d'avoir ça en toolkit. Oh là là, les couleurs, elles sont belles. Je vous dis pas. On va découvrir ça ensemble. Donc c'est des diamants ronds. C'est des diamants ronds. Pourquoi là ils m'ont mis un sachet à part? C'est le cas. Je sais pas. On a un bleu qu'ils ont mis à part. Il a rien de spécial. Je sais pas. Je vais vous montrer les couleurs, elles sont or, elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Du violet, du rose, du noir. Ah, du noir, on en a énormément de noir. Du violet, du vert. Et donc, normalement, est-ce que c'est celle-là, là, la phosphorescente? Ouais, c'est celle-là, là, la couleur phosphorescente. Il y a un petit rose avec, mais on s'en fiche. Mais en tout cas, c'est celle-là, là, qui brille. On en a énormément. On a corail, encore un orange un peu comme ça. On a du... Arrête, Kaline. On a du bleu, on a deux verts, trois verts et un bleu vert. Donc voilà. Franchement, les couleurs, je les adore. Je trouve ça absolument magnifique. Vraiment magnifique, je suis trop contente. Donc, je vais tenter de ranger. Alors, moi, je suis pas super douée pour ranger les diamants dans l'emballage d'origine. Si ça devrait aller, est-ce que ça rentre? Non, ça rentre pas. Non, ça rentre pas du tout en fait. Alors, faut que je plie là. Désolée pour le bruit. Hop, c'est dedans.
est plutôt bien rangé. Allez, je vais remettre tout ça dans ma toile pour surtout rien perdre. Par contre, là, ils ont un peu merdé le coin, mais bon, c'est pas grave. Franchement, j'aime trop. Hein. Elle est trop belle, cette toile. J'arrive plus à la ranger. Ça colle, en fait, ce truc. Voilà. J'ai fait ce qu'il fallait pas. Je vais faire tout ranger correctement parce que je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà. Je ne vais pas tous les ouvrir, je vais juste vous les montrer comme ça. Et franchement, c'est trop chouette. On ne va pas ouvrir tous les diamants. Là, je vous en ai ouvert un. On va juste regarder les images à chaque fois. Et je vous montre aussi tout de suite. Je sais plus si je vous ai dit le prix, donc c'était à 3,29€ chez Action. Donc on va voir les lots. On va voir comment ils sont les lots. Hop. Celui-là là, il est comme ça. Donc pareil, hein, aussi phosphorescent. Trop beau aussi. Hein. Donc, vous voyez comment il est de jour et comment il est de nuit. Donc, franchement, vraiment super beau. Hein. Et donc pareil, on a, je vous montre juste comme ça, le toolkit, on a les diamants derrière, la petite feuille de route. Donc c'est exactement comme l'autre. Je ne vais pas tous les ouvrir. Mais voilà. Et on va passer au dernier. Et donc le dernier, c'est celui-ci. Donc avec l'arbre et les papillons. Et donc en deux jours et de nuit, ça donne ça. Donc de nuit, en fait, on voit surtout les papillons. Mais franchement, je le trouve magnifique. Et donc ça donne ça. Si je le mets, ouais, c'est bon, je l'ai à l'endroit. Donc ça donne ça. Et donc à l'arrière, on a comme d'hab la barquette, le stylet. Et le pentecôte, j'imagine, il est de l'autre côté. On a les petits diamants ronds et la feuille de route. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez faire un petit commentaire. Ça fait toujours énormément plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao les amis, bisous.